Novè dia de regata per als skippers de la Barcelona World Race. Els quatre líders ja han passat Cap Vert i naveguen cap a l'Equador, el qual hauríem de creuar dilluns. Les bateaux ont été dans un vent d'alizé de nord-est assez soutenu, entre 25 à 30 nœuds, ce qui fait que les bateaux ont bien descendu vers le sud et ont pu passer, les premiers bateaux ont pu passer le Cap Vert sans aucun souci. En ce qui concerne le nord de la flotte, pour la journée d'aujourd'hui, ils vont avoir entre 20 à 25 nœuds de vent de nord-est, donc ils vont pouvoir se rapprocher du Cap Vert en se posant la question ouest-ouest. En ce qui concerne par contre les bateaux de tête qui ont déjà passé le Cap Vert, la question est un peu plus compliquée parce qu'elle ne concerne pas tant la suite directe mais plutôt le passage du Poteau Noir et après comment ils vont pouvoir passer l'anticyclone de Saint-Hélène. On a eu un petit souci cette nuit en Serrange, il y a un Saint-France qui s'est relevé, avant Saint-France ouvert, c'était au moment où on changeait de car, donc on était à l'entrée à l'intérieur du bateau en train de discuter. On s'est fait une belle frayeur quand même, parce que quand ça vous arrive et qu'on marche en gros toute la nuit entre 18 et 22, là c'est arrivé, on devait être à 22, donc on a perdu un peu de temps, le temps de rouler le petit Genac et tout ça, et puis de trouver une solution pour remettre le safran en route. On a réussi. Non, je sais rien, on est dessus, on est sur les réglages et sur la météo, on va essayer de se rapprocher de son guillotte vers le Poteau Noir. C'est 130 de risque à considérer et puis grappiller petit à petit. Aquest matí el comitè de regata li ha notificat una penalització de 20 minuts al Renault Captur en relació al seu pas per una zona no autoritzada de l'estret de Gibraltar. Darrere d'aquest vaixell, tripulat per George Richards i Sebastien Odigant, el We Are Waters s'acosta progressivament al One Planet One Ocean Fermat. La veritat és que ens quedàvem calmats i amb molts de retards del Mediterrani. Havíem de provar alguna cosa i no seguir l'espera de tothom, sinó provar alguna tàctica meteorològica, que per això hem estudiat tant, no? I sembla que ens ha donat bastant benefici. El barco no tenim cap queixa, i pel que no crec que s'ha preparat, jo crec que molt ben preparat, i segurament hi han aparegut coses ja per a l'any, però jo crec que les mateixes que apareixen a qualsevol altre barco, i estem francament contents.